de presse. Tout d'abord, définition le mot. Hein. Plusieurs prononciations pour un même mot. Tilda, tilde, tilda. Toutes ces prononciations ont la même signification. C'est une signification scientifique pour un projet média qui consiste dans un recueil d'articles pour les professionnels de l'assurance, la banque et la finance. Qui est derrière ça? C'est Khalsmash qui est managing partner de Solvarisk, qui est un cabinet d'actuariat et de risk management. Il y a aussi Monsieur Mouaz Mahfoud qui est aussi actuaire et fondateur du même cabinet. Et aussi, il y a la contribution d'autres personnes qui sont du domaine, et comme on l'a dit, du domaine assurantiel, financier et aussi bancaire. L'existence d'un espace d'échange entre les professionnels, au-delà des médias classiques, est devenue aujourd'hui primordiale pour hisser tout secteur à des standards internationaux. Nous essayons à travers cette initiative de contribuer modestement à réaliser cet objectif-là. Alors, les caractéristiques de la publication. Tout d'abord, parlons de l'audience. L'audience, ce sera des professionnels. Étant donné, c'est notre cœur de cible. Et pour ces professionnels-là, le contenu, bien évidemment, sera orienté et sera tourné vers les expériences métiers pour la publication. Pour la publication, elle sera éditée sous deux formats. Print, c'est-à-dire papier, et web. Elle sera aussi semestrielle, il y aura deux numéros par an et elle sera disponible sur abonnement. Elle sera éditée en premier lieu, le premier numéro il a été déjà produit et sera publié incessamment sous format papier, mais il y aura aussi un format web comme ça existe partout dans le monde et pour tout type de médias. En effet, on dispose aujourd'hui de plusieurs médias étrangers, mais qui parlent de problématiques métiers et de problématiques techniques qui ne sont pas propres à nous. Je parle tunisien. Mais aussi, d'un autre côté, la Tunisie elle est proche de certains marchés comme l'Afrique de l'Ouest, comme le Maghreb, et on partage les mêmes problématiques. Et donc, ce n'est pas seulement un média qui va traiter les besoins du Tunisien, mais aussi des Maghrébins, et aussi, pourquoi pas, sur le moyen terme, du marché ouest-africain. Et de ce fait, au fait, ces problématiques-là, elles existent, mais on manque d'un espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un espace d'échange, de diffusion des connaissances. Et comme je l'ai dit aussi, nous allons essayer de contribuer modestement par rapport à cet objectif-là.